arrivée. Brando a gagné la poule de CD Poulain. Vous avez gagné tous les groupes 1 réservés aux 3 ans en France dans votre carrière. Oui, et tout assez rapidement. C'est-à-dire que ma carrière, elle n'est pas d'hier. Et tout a commencé, donc, avec Milcom, quand on avait gagné le Grand Prix de Paris, qui était sur une autre distance. Et après, Grand Prix de Paris, Bekabad, très bon souvenir d'un bon cheval. Le Jean Prat Zelza, un petit cheval superbe qu'on va revoir cette année, et qui va que dans le terrain léger comme ça. Et très bon cheval. Et puis les poules d'essai, Bramto, c'est formidable. C'est surtout dans le contexte de cette année, avec tous les problèmes qu'on a eu à l'écurie. Ça nous sauve notre printemps en espérant que les autres chevaux vont faire de leur mieux cet été à l'automne. Voilà. On en rêvait, il l'a fait, c'est groupe 1 pour 3 ans. Pour vous, ce sont les courses de référence. Oui, c'est les courses de référence. C'est ces courses-là et puis les courses d'Ascot. Sur les Guinées, je suis plus fragile, je sens pas trop. Newmarket, c'est très très spécial. J'ai remarqué que mes chevaux ne couraient pas très bien là-bas. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les chevaux anglais sont beaucoup plus aptes à faire ça que les nôtres. Il y a quand même des chevaux français qui y arrivent. Mais Ascot, c'est un parcours qui me va bien, à main droite comme ça. J'ai envoyé des chevaux même avec des chances secondaires qui ont pris des places pendant le Royal Meeting. C'est un champ de course qui me va bien. Est-ce qu'on y pense cette année au Royal Meeting, ou on va être un peu court compte tenu de ce qui s'est passé? On va être trop court pour Almanzor. On va être trop court pour Almanzor. Bramto, il a deux options. Le Jockey Club, que je trouve arrive un peu trop près. Beaucoup plus facile pour les pouliches qui ont couru les poules d'essai, car elles ont deux semaines de plus pour se refaire. Le cheval a eu une course, il a dû lutter, il a très bien récupéré, il est très bien, mais j'ai peur que, qu'en lui remettant une autre course difficile à 3 semaines, j'ai peur de le griller pour l'année. Donc pour l'instant, s'il ne tenait qu'à moi, j'irai sur Ascot, et puis quitte à le monter de distance ensuite dans la saison, et d'aller progressivement vers l'automne. Est-ce qu'on parle en envoyant sur les chevaux de Almanzor, Oui, donc les chevaux qui ont subi le virus travaillent presque tous normalement. Ceux qui ont été surtout pris au tout début, c'est-à-dire début avril, donc on est fin mai. Ils sont bien, ils font canter normalement. On espère pouvoir les remettre dans le circuit à partir de vers le 10 juin. Tout au long du mois de juin, et puis d'autres courront qu'en juillet parce qu'ils n'ont pas tous des courses au mois de juin. Et puis après, il y aura les derniers qui ont été touchés et courront pas avant août-septembre. Mais pour l'instant, on les sent bien. Après, on verra quand on les retravaillera sérieusement sur les galops préparatoires aux courses. Ceux qui nous trottaient forcément la tête à Almanzor, est-ce qu'on a un petit peu plus de visibilité? Sur la suite, sur le comment... Sur le programme, pour l'instant, on va s'axer sur la coupe à Chantilly, ce qui s'appelait la coupe de Longchamp avant, mais qui se court à Chantilly cette année, sur 2000 mètres. C'est une course où il prend 3 kilos, mais c'est pas grave, de toute façon, il va falloir qu'il fasse une rentrée. S'il est bien pour courir cette course-là, je crois que c'est vers le 22 juin. Puis on verra après, mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour dire, il faut que le cheval retravaille sérieusement. Voilà, Zelza, elle pourrait rentrer dans le prix du Bray, l'ancien chemin de fer du Nord, avec Tarif, tous les deux. Voilà, à Fandem, c'est plus compliqué de lui trouver un engagement pour l'instant. Et Negev, on ne sait pas encore, il peut rentrer dans le de Moussac s'il arrive assez bien, c'est le 16 juin, c'est le jour du prix de Diane, je crois, ou la veille. Donc là, les 15 jours qui arrivent vont être très importants pour ces chevaux-là. Voir si on peut vraiment les remettre dans le circuit et s'ils donnent satisfaction au travail. On reviendra prendre des nouvelles dans 15 jours. Oui, vers le. Oui. Juste la semaine d'après le Jockey Club, on sera fixé sûrement. Okay.